Mesdames, mesdemoiselles, voulez-vous devenir reine d'un jour ? Oui ! Reine d'un jour, te voilà parée de tes plus beaux atouts. Reine d'un jour, sous ce que tu veux, ce soir on te le donne. Votre conte de fées hebdomadaire. Ce conte de fées que le Savon sont extrêmement heureux de vous offrir chaque semaine. Les compagnons de la chanson, André Leclerc, Constance Thierry, Jacques Lafont, seront le dévoué serviteur de la reine qui sera diverti par son bouffon Roger Lanzac. Et maintenant, place à la reine d'un jour et place à son grand chambellan, Jean Nohain. Bonsoir, messieurs. Avant de procéder devant vous à l'élection de notre cinquième reine d'un jour, permettez-moi de vous dire combien nous sommes reconnaissants à tous ceux, à toutes celles qui s'intéressent déjà, qui semblent même se passionner pour ce conte de fées hebdomadaire. J'aperçois derrière moi le grand trône d'apparat qui a été préparé pour la reine, qui va être élue dans un instant. J'aperçois son diadème et son magnifique manteau de cour. Alors écoutez, nous allons immédiatement appeler la première candidate qui a été sélectionnée, la candidate numéro 1. Voulez-vous approcher, mademoiselle ? Vous êtes madame mère, Simone de votre petite. Oui. Voyons, vous avez exprimé quel vœu. Voulez-vous le dire tout de suite ? Je voudrais qu'une fanfare vienne me chercher à la sortie de mon travail, un soir, et qu'elle m'escorte jusqu'à la gare Saint-Lazare où je prends mon train tous les jours. Voilà, tout simplement. Voilà le vœu de madame Simone mère. Vous comprenez ? Voilà, voilà ce que demande la Simone. Est-ce qu'on peut... Vous vous rendez compte, c'est tout simple. Une fanfare. Où est-ce que vous travaillez, madame, sans indiscrétion ? Je travaille à l'Urbaine et la Seine. Vous travaillez à une compagnie d'assurance ? Oui. Et alors là, vous avez donc envie qu'un soir, descendant de votre travail, que d'une fanfare qui vous... On n'est pas à pied. Comment pas à pied ? Oh non, on prendrait une voiture découverte ou un petit camion et puis alors... Un petit camion ? Voulez-vous 12 attabus sur la gouvière ? Oh, si c'est possible. Si c'est possible. Je ne parle pas de 100 musiciens. Ah non, tout de même. Ah non, madame se contenterait d'une vingtaine de musiciens. Et puis alors, nous passerions par la gare Saint-Lazare, dans la rue Saint-Lazare, et on ferait une petite auberge. Ah, ça c'est pas mal. Trouvé, écoutez, vous avez pensé à tout. Alors vous verrez votre vœu réalisé pour votre mari et pour vous. Que nous avons fait, madame, et merci.